Bonjour à tous, nouvel épisode sur Europa Universalis 4 avec la Prusse. On avait un nouveau dirigeant, une puissance démissionnaire, très bien. Mais je suis pas sûr que lui il avance toujours du coup. Oui. Super, alors on va essayer de choper les Danois. Tu vas où? Ici. Alors attends juste un truc, toi t'es une ville libre? Non, t'es un comté. J'améliore avec qui? Elle est pile ou trajet, d'accord, non, je veux pas me marier. J'ai cru. J'ai cru qu'on allait pouvoir passer à l'institution. Il faudrait 1000. Attends, on est où Berlin? 81, ça monte à quelle vitesse? 0,43. Bon, ça coûterait pas grand chose de faire ça. Ouais. Donc ça comme ça pour l'instant. Bon, ils sont où ces Danois? Ils me fatiguent là à jouer au chat à la souris. Là t'as pas fini, d'accord. Les Russes là, venez là, prenez ça s'il vous plaît, prenez Lund. Oh, toutes les provinces prussiennes de Prusse, ou alors agitation s'aggraver de 2, et les provinces saxonnes de Prusse diminuer de 2. Cool. Voilà, Venise. Ça sent la fin. Putain, mais tu vas y arriver à finir ce siège? Avec un 2 de siège? Eh ben, c'est pas déjà. La Russie, t'as vraiment pas envie de venir. On a... Ah, non. On a perdu les Danes. Ah, ils sont là. Ok, ok, ok. Ouais, mettre un pied ici, comme ça on s'en fiche de... des bateaux. Putain, il va encore m'échapper. Il y a quand même des... Vénitiens sur le lot. Alors on peut faire ça, et à mon avis l'autre qui est par là il a pas le temps de revenir. Très bien. Putain mais où tu fuis? Ton pays est occupé entièrement. Non mais tu peux pas fuir là. Si. Sans problème en plus. Moscovie, tu veux vraiment pas prendre ça. Tu renforces ou pas avec tes bateaux? Tu les laisses crever? Putain, il laisse crever ses bateaux pour pas lâcher. Bon, c'est normal, hein. Enfin, c'est bien joué, mais... J'aurais cru qu'il allait quand même... essayer de sauver les meubles. Eh hey, tiens, je te mets un bel appât là. Bon, on n'aura pas plus, je pense. Du coup... Quoi déjà? Saxe-Pologne? Non mais j'ai pas de revendication là, j'ai revendication ici. Sealand, mais... Il va pas vouloir parce que j'ai pas le fort. Lund, il veut bien. Putain mais ça met 3 personnes à Lund, j'ai pas... Si? Si je fais ça. Non en fait ce qu'il faudrait c'est que je mette un pied là et après je fais ma revendication. Donc attends, ça se fait combien? 29 d'expansion agressive. 41, non, 12, mieux. 8, encore mieux. On prend que ça. Tout hasard, y a un mec à relâcher ici? Non. Ouais, vas-y, on prend ça.
On prend que ça. On fait pas de paix compliquée. Dans tes alliances, est-ce qu'il y a des gens gênants? Pas l'impression. Et après, on bourrine les revendications chez lui. Voyons voir juste. Ah ouais, tu lâches tout ça? Ouais, quand même. On va le prendre ça pour l'institution. Et jusqu'en 73, ça nous fait une trêve. Et je prends les repas de guerre. Allez, vas-y. Impeccable. C'est Black Flag. Parfait. On va accroître la stab parce qu'on le peut. Voilà. Je pensais que j'allais pouvoir prendre l'institution. On en est où? C'est pris ici, cool. Ouais, parfait. Très bien. Toi, tu vas aller où il y a des rebelles, c'est-à-dire ici. Bah viens là. J'attaque la Pologne. Bah c'est parfait ça. Vite marche à Moscovie. Ouais, surtout Moscovie. Kalitz. Oui, carrément, carrément. Je pars faire mes mariages. À Moscovie. Ok. Et ouais, il me faudra un vassal donc par là. Mazovie, ouais, on avait regardé. Pourquoi pas la Mazovie? Sinon, si j'attaque toi. Personne qui vient de mon côté. D'accord. C'est toujours Mazovie, ça, hein, ouais. Il y en a 3-4 à récupérer de la Mazovie. Ici, on a qui? Cracovie. Ça c'est Nitra, c'est ça? Ouais. Et sinon la Mazovie. Non, t'as personne. C'est qui ça, la Lituanie? Mazovie, t'es là, t'as rien chez moi, hein, moi. Hein. Tu vas faire la gueule sinon. Sachant que la Suède viendrait. La Suède, t'as 23 000 hommes. Je suis à 20 000 là. Et je vais pas pouvoir parce qu'on l'a pas légitimé ici. Ce serait le moment quand même. Ah oui, sinon j'ai la Saxe à attaquer. Mais là ça fait l'expansion agressive, non tant pis. D'ailleurs oui, j'avais pas vu ça, on peut le faire. Voilà. Et ouais, je crois qu'on va le faire, on va attaquer. En appelant la Moscovie, dites marche même plus, bon c'est pas dramatique. C'est pas ouf au niveau homme quand même la Moscovie. Bon, nous non plus, hein, faut le dire, mais. Ah, si, ils ont le double d'infanterie. Cave, on est pareil. Mais on a le double d'artillerie. Ouais, on va le faire comme ça. Bonjour, bonjour. Toi, viens là parce que je sais pas ce qu'ils ont et j'ai pas envie de te perdre. Toi, viens là. Toi, t'as quoi? 19 000 hommes, très bien. Alors viens là. On peut la prendre. Il n'y a pas d'urgence, on n'est pas en retard, on va attendre. Alors, propagation des idées. T'es en guerre contre la Suède, non, tu passes pas chez moi. À Neubrandenbourg. Je sais pas où c'est, Neubrandenbourg. Là. Ah ouais, ça m'intéresse. Très
Très bien. Du coup, ça va coûter encore moins cher, c'est le cas. Vas-y. Ah, il y a le Brunswick, t'as vu le Brunswick. Qu'est-ce qu'on peut te faire? Faire l'expansion agressive quand même. Ouais, les rebelles vont arriver, mais on n'est pas très loin. Enfin, c'est par là, je crois que c'était de province. Tant qu'on y est, on a des revendications ici. Ok. Avec l'Hongrie et l'Autriche a expiré. Il y a 20 000 Suédois qui viennent de passer là. On peut prendre une doctrine, oui. On va la prendre. Ouais, on va prendre l'institution, donc ça coûtera moins cher. On a dit qu'on terminait les quantités. Effectif garnison, très bien. Allez, 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 allez. Ouais, ils occupent des trucs, mais t'inquiète. Quoi, du prestige, oui. Carrément. Ouais, allez-y. Ah putain, 57 et 42, c'est pas passé, quoi. Ah bah vous allez vous faire éclater par les rebelles, les Brunswickiens. Non, mais tant pis, on repère le prestige qu'on a gagné. J'ai besoin de mes points. Ok, ici cool. Alors ensuite. Allez, 71%, ça peut tomber là quand même. Repère du prestige, c'est pas grave, on va en regagner dans. Ah bien. Dans la guerre contre la Pologne vu que c'est nos rivaux. Ploc, c'est enfin tombé, cool. On va venir là déjà, voir ce qu'ils font, s'il y en a un qui s'en va. Ouais, lui s'en va. Et il s'en va tellement loin qu'il n'aura pas le temps de renforcer, je pense. C'est ça. Oh, du prestige et du professionnalisme, super. On peut appeler qui à l'aide? Vite marche, si tu veux. Et tu vas venir là. On va dessiger un peu tout par là. On va laisser les moscovites faire un peu tout ça là. Non, l'inverse. Ouais. Et attends, non, tu sais ce qu'on va faire? On va faire ça d'abord. Oh, ne bouge pas, ne bouge pas. Voilà, on va dessiéger ça maintenant. Je vous avais complètement oublié. Bon, viens là en fait, on va faire le siège ici. Où ça? Potsdam. Puissance commerciale un peu dégueu et les impôts sont bons. La prod, je m'en fiche un peu. Perte de législation ou on gagne de législation en fait. Oh non, je préfère ça. Notre financier est mort, non? Ah, puissance démissionnaire, très bien. Ah, on légitime ça, d'accord.
Stockholm est tombé, génial, on vient faire ça. Putain, tu commences tôt. Commence à zéro, ce serait bien qu'on tombe ça, qu'on puisse te tomber dessus. Non, évidemment non. Allez, putain, il va vite. Oh, fait chier. Triomphe de l'empereur. Le catholicisme. D'accord, est-ce qu'il va me réélire? Je pense pas. On peut intégrer nos provinces si tu veux, mais... Le nombre remettre électeurs, ça m'étonnerait. Vu qu'on est protestant, il va galérer à nous imposer la religion, donc il le fera pas. Si je me route qui est tombé, qui est perdu. Oh, mais c'est une blague. Ouais. Allez. Mais c'est sérieux, putain. Alors, Lens. Ah oui, d'accord, c'est le commerce de Lens. Lunebourg, pourquoi j'accepterais? Parce qu'on est alliés. Et t'es vassalisable, oui. Elle me coûte combien là? 218, je pense qu'on peut la prendre à 218. Ok. Et voir s'il y a moyen de faire. Un partage de connaissances. Avec la France, bah très bien. Il me manque un mec. Tiens, toi, tu vas me faire une revendication. Non, parce que j'en ai déjà une. Et chez qui toi? Les alliés reviennent. Forcément. Les électeurs, il en reste un, on sera pas dedans. Hein. On a perdu le siège de Varsovie, ouais. Pff, c'est tellement évident qu'on le perde, alors qu'on n'était pas du tout en avance par rapport à eux. Ouais. Ok. Du coup. Le Moscovie, tu veux me partager la connaissance? Très bien. Ça va tomber ça. Ok. On va venir faire peur à eux. T'en es où toi? 14%. Ouais, diplomate de Pologne, tiens, on a assez pour faire... Gonge. Brunswick nous a insulté. Non. Ouais. Non, on va annuler l'influence sur Dithmar, ça sert plus à grand chose. Ouais. T'en es où toi? Allez. Très bien. Bon, la Suède, on peut se dire au revoir. Faut pas que j'ai de revendications. Hein. Écoute quoi en expansion agressive? Pas grand chose. Pas grand chose, pas grand chose, voyons. À Lübeck. T'as pas grand chose, d'accord. Ici, Toré. C'est qui domine le commerce ici? Ah, c'est moi. La Suède à 10%. Je préfère me gaver sur la Pologne, franchement. Donc, on fera des revendications chez toi. Effacer l'offre. Tu me files toutes tes thunes. Des repas de guerre. Ah non, attends. Y'a pas la Norvège dans le coin? Si, haha. Ok, alors attends, on va aller prendre le fort. On va libérer la Norvège et comme ça on aura la reconquête.
et ce sera beaucoup plus intéressant. Capacité de siège, toujours. Cool. Attends, il y a déjà 20 minutes d'épisode. Ça va trop vite. La Suède, tu veux la paix? Non, non, attends deux secondes. Tu me le fileras pas si... coût des technologies, je gagne de l'innovation. Pendant combien de temps? Jusqu'à la mort de Frédéric II William. Ah ouais, ça pourrait être intéressant. Elle est pas ouf notre innovation, mais vas-y, on le fait. Non, la Suède. Oh, on a perdu le siège de Wittsburg, hein, super. Oh, un mec qui coûterait moins cher et qui serait améliorable. Ouais, moitié d'entretien terrestre. Et je vais t'améliorer un coup. Voilà. On termine une doctrine. On perd combien? Ça va. Sachant qu'on est en guerre. Putain, j'ai pas de chance sur les sièges. La Suède, moi je veux bien faire la paix, mais tu vas jamais vouloir. Parce que j'ai pas pris ton fort. Ah si. Putain, je prends même les repas de guerre. On a de la marge? On a de la marge. On prend ça, on file ça à la... à la Norvège. Vas-y. Et on va venir... Oh putain, j'avais pas vu ça. Il doit avoir tellement de reniques de... C'est ça. De la reconquête à mort, lui. Bon, pour l'instant, on a encore besoin de... Un petit moment de la Moscovie. Bon, ok. Le Brunswick, t'as pas envie de partir, là? Franchement, on n'a pas grand-chose à... On se veut pas grand-chose, hein. Ouais, tu vois, t'as envie de partir. T'annules juste l'alliance avec... ouais, eux. Mettre le Danemark? Ouais, cool. Non, mince. D'accord. Le commandant nous a quittés. Toi, je t'ai envoyé où? Toi, t'as pas... C'est l'amiral qui nous a quittés, d'accord. Toi, tu vas venir... Venir ici en fait. Et en Suède, on va faire des revendications quand on pourra le 2 janvier. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pays au trajet, allié. Alors, l'incident impérial de déclin de la ligne hanséatique a pris fin. Soumettons donc l'Autriche à l'embargo. L'Autriche en embargo, et c'est le Danemark qui connaît embargo de l'Empire. D'accord, moins de 30, c'est bien ça. Pour nous, on va récupérer le reste. Ok, dans un jour. Encore un an. Bon, tu le tombes ce siège, merci. Ah, t'es pas convertissable toi. Ok, alors annule avec la Pologne. Volgast, parce que je vais les attaquer. Oldenbourg, oui. Et un peu d'argent. Ok, et maintenant. Good morning Pologne. Mais good morning Pologne demain matin. Demain soir, pardon. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour la suite. Salut à tous.